My name is Robert Hyde. I go to Oak Bay High, and I'll be doing this project on Victorian values and how they affect our modern society. En mon image, la moralité est représentée par une photo du Bible et une croix. La religion était une grande partie d'une vie de quelqu'un pendant 7 ans, et c'était quelque chose qu'ils n'ont jamais oublié. Le travail est représenté par les équations qui expliquent que cet homme était un professeur. Le prof sera éduqué et intelligent. Il sera aussi pas pauvre, plutôt une classe milieu. La réussite personnelle, notre troisième valeur. La réussite personnelle est représentée par une photo d'argent. L'argent est représenté la majorité du réussite personnelle. La raison pour cela est parce que si une personne de 7 ans n'avait pas d'argent, il serait mort, parce qu'ils ne peuvent pas survivre. La quatrième et dernière valeur est représentée par une photo de Pluto être pas populaire, de mauvaise manière. Les personnes qui étaient modestes ont survécu la plus longtemps. Les personnes voulaient juste vivre leur vie, la plus simple et bonne qu'ils pouvaient. Zlatan Ibrahimovic représente les valeurs du temps victorien plutôt la même, mais en une différente manière que l'homme du temps victorien. Zlatan représente la moralité parce qu'il est un patriote pour son nation, la Suède, et il est très religieux. Zlatan représente le travail en jouant le soccer. Il est très chanceux qu'il peut faire quelque chose qu'il adore. En plus, il gagne beaucoup d'argent. Quand tu fais ce que Zlatan fait, l'argent n'est pas la réussite personnelle. Zlatan est chanceux dans la situation qu'il est dans. Il n'a pas besoin de l'argent comme l'homme du temps victorien. Et la réussite personnelle pour lui est de faire les choses que les personnes vont souvenir toujours. Son réussite personnelle est démontrée par les coupes qu'il a gagnées et les nominations pour les titres comme le Ballon d'Or. Zlatan Ibrahimovic est la personne la plus loin de la modestie. En plus, Zlatan est un égoïste. Il fait les bonnes choses pour les pauvres, mais si tu n'es pas un pauvre et pas son ami, il est une personne très méchante. Son égoïsme est représenté par les moments où il s'inquiète pas des autres et met toute l'attention sur lui. C'est l'exact opposé du personnage du temps victorien. Zlatan! Thanks for watching. I hope you learned something.